Yo tout le monde, c'est Zero, les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017. Et nous allons découvrir une map, les marais normands. J'espère que ça vous plaira, c'est parti, juste après l'intro. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo du coup sur ma chaîne. Du coup les gars, aujourd'hui on va faire encore une découverte de map qui est assez stylée, je trouve. Dans l'ensemble elle est hyper belle, elle date un peu par contre. Elle date un peu les gars la map, mais elle est vraiment hyper belle les gars. C'est les marais normands du coup. La map date à peu près de un an à peu près. Et du coup voilà, elle est vraiment pas récente du tout. Mais elle est vraiment hyper belle et hyper bien détaillée surtout. Avec de, franchement le PDA est hyper bien détaillé. Et la map aussi les gars, donc on va découvrir ça en vidéo. Et du coup voilà, tout sera sur mon site les gars. Donc la map sera sur mon site. Et la petite voiture, la petite 4L que vous avez vu aussi, elle sera sur mon site les gars. La 4L que j'ai mis en miniature les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon site etc. Et télécharger les mods qu'il y a tout simplement les gars. Je voulais remercier aussi les gars pour les 7000 abonnés. On vient d'atteindre les 7000 abonnés il y a pendant le live du coup de samedi. On était 115 et tout, ça fait plaisir, merci à tous. On était 115, donc ça fait pas plaisir et tout. Merci à tous les gars. Et du coup voilà, la chaîne de Tati les gars sera en description. C'est grâce à Tati que j'ai pu les avoir, c'est 7000 là. Il a fait un live à ma place, du coup moi j'ai pas une bonne connexion. Tati a pu stream à ma place et c'est vraiment hyper plaisir. Du coup voilà, remerciement à Tati les gars. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube qui sera sur le petit i en description et en commentaire. Et on commence les gars tout de suite pour la vidéo. Alors voilà les gars, directement on est sur le PDA qui est hyper bien détaillé les gars. Je kiffe franchement un PDA aussi mal détaillé que ça. On peut voir que le créateur c'est JF Agri, donc voilà, dédicace à toi, je sais pas si tu regardes les vidéos etc de Starview ou autre. Donc voilà, hyper bien détaillé, il y a la ferme des vaches, l'abattoir, il y a les ventes de paille, ventes de céréales, les concessionnaires, même une station service les gars. Et le pire c'est que il va même détailler les rivières, donc ce qui est en bleu, toutes les lignes bleues que vous voyez c'est les rivières, les routes. Toutes les lignes rouges et les routes, et le vert un peu, le jaune un peu, c'est les chemins les gars. Il y a beaucoup de chemins, il y a 4 chemins, 4 ou 5 chemins, et ça c'est stylé. Alors les gars, voilà, ici on est directement à la maison de l'agriculteur, on peut dire ça comme ça, avec des petites tomates et tout. Assez bien détaillé je trouve, hein. On peut pas rentrer dedans, mais elle est hyper bien faite, les petites transats et tout, j'aime bien. Donc voilà, ensuite ici même les petites poules qui sont dehors, j'avais pas vu ça. On a un petit chemin les gars juste ici, franchement ça fait hyper beau. J'espère que les petits plans du début les gars vous ont plu. Bon, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous les tourner, hein. Hyper bien fait je trouve la map. Et puis du coup voilà, le petit chemin ici qui est assez bien fait les gars. Franchement on ne retrouve pas partout des chemins comme ça, c'est assez hyper bien fait franchement. Hyper bien fait, voilà tout simplement les gars. Il n'y a pas à redire sur cette map qui est extrêmement belle les gars. Et du coup voilà, franchement j'ai gros jugé à toi, mais avec la map assez ancienne les gars, franchement gros jugé à toi. Alors les amis, ici on a un bâtiment ancien pour le matériel, le stockage de paille, hein, qui est assez beau mais qui est vraiment assez ancien. On peut vraiment le voir qu'il est ancien les gars, franchement on peut le voir là. C'est vraiment ancien les gars, on peut voir les tôles que c'est ancien etc. Mais franchement c'est ça qui est dans le charme à la map, c'est assez beau. Donc voilà. Ensuite on a un bâtiment les gars de stockage qui est juste ici, qui est assez récent. Franchement pour moi c'est l'un des meilleurs bâtiments, celui-là de stockage. Il est hyper beau, regardez-moi cette texture qu'il y a. Une très belle texture les gars. Là franchement il y a un plateau de paille, il l'a mis je pense, c'est pas pour faire joli. Et les gens, c'est pour que les gens, en fait les gars, pour les gens qui savent pas trop jouer à farming, vraiment tout est détaillé. Là on peut voir que c'est vraiment un hangar de stockage. Là tout ce qui est pour mettre bottes de foin, bottes de paille, vous voyez les gars. Du coup voilà ici, petit bâtiment de stockage qui est assez cool. Là aussi un petit bâtiment, ici qu'on peut ranger le matériel etc. Ce que je regarde sur cette map c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matériel déjà mis à disposition pour la map au début les gars. Mais c'est pas hyper bien grave. Là petit matériel, et ce que j'ai pu voir les gars tout à l'heure c'est qu'en fait en pleine nuit les noms ils s'allument les gars. Ok, donc est-ce qu'ils s'allument, je pense pas. C'est bien s'il y a des bâtiments qui s'allument, il y en a qui s'allument pas. Ok les gars, donc voilà, là ils s'allument les gars. Et il y a des bâtiments qui s'allument pas parce qu'il faut appuyer sur les boutons. Donc ce qui est assez beau les gars, ce qui est assez bien dans l'ensemble, hein. Ça fait vraiment roleplay. Alors ici les gars, un petit arbre que c'est stylé. Ici les gars, on a deux gros silos les gars pour mettre l'ensilage, ok. Pour mettre l'ensilage, là vous avez deux gros silos les gars, ils sont vraiment immenses les gars, ils sont vraiment hyper mais hyper grands les gars, franchement. C'est assez bien fait je trouve, assez stylé. Et du coup voilà, c'est franchement deux gros silos comme ça, c'est vraiment rare, surtout sur des maps françaises, parce que les gars c'est des maps françaises. Le marais normand, c'est des maps françaises, c'est une map française les gars. Alors ici les gars, c'est tout ce qui est silos pour les céréales, ok.
Donc silo pour les céréales, les gars, juste ici on peut vraiment le voir qu'il y a comme il y a des céréales dedans. Donc silo pour les céréales qui est assez bien fait je trouve, et juste à côté les gars dans le même bâtiment, on a une fourche avec un godet, et juste là les gars on a une pompe à essence. Donc je sais pas si ça marche ou pas, je pense pas que ça marche, faudrait peut-être qu'on essaye les gars. Donc dites-moi si vous voulez encore une autre vidéo dessus, une petite activité dessus, pourquoi pas, j'en ferai une. Et du coup voilà. Alors les gars ici directement on a attendez. Voilà, ça s'allume petit bas, ça s'allume. Est-ce que c'en est un? C'est pas ça qui s'allume. C'est peut-être dehors. Celle-là, c'est le bouton là. Ok. Donc les amis, c'est où ce rouge? Je sais pas. Les amis, du coup là, on est avec une petite table, une petite cafetière et tout, franchement, une petite glacière. Et là, le rouge, il est assez moche, je trouve. Mais sinon voilà, un petit MSI si je me trompe pas, avec son petit fond. Je pense qu'il a mis vraiment, il a mis son fond d'écran les gars, je pense. Il a pas cherché à convaincre. Skype, Farming, Jens du vert. Google Chrome d'ouvert, etc. Tous les Zygon, Euro Truck, Farming 15, etc. Je pense que les gars, franchement, c'est le fond d'écran du créateur de la map, du coup, les gars, qui l'a mis pour pas se faire trop chier, tout simplement. Voilà, les gars, le petit bureau ici. Et on peut pas acheter, par contre, le tracteur, etc. Non, on peut pas acheter. Bon, c'est pas grave. Alors, les amis, ensuite, là, c'est ce que je parlais. Franchement, c'est assez bien fait, je trouve. Là, c'est assez beau, les gars. What? J'ai pas vu ça. Donc, les gars, attendez, ici, il y a les cochons. Ici c'est les cochons les gars, les petits cochons avec une petite sabuque assez petite mais qui est assez bien faite les gars, franchement elle est hyper belle les gars. Donc là ici c'est le lisier pour les cochons les gars, le lisier pour les cochons, ici le fumier pour les cochons. Et là les gars il y a vraiment tout à côté, et là c'est vraiment les cochons eux-mêmes avec une petite tabu, et puis l'enclos des cochons comme d'hab, voilà, hyper bien faite les gars. À part qu'il n'y a peut-être pas d'enclos dehors, mais bon vu qu'il y a un enclos là, peut-être qu'il ouais, serait peut-être mieux qu'il mette un enclos par là, mais c'est pas grave du tout. Ici c'est le poulailler les gars, je pense le poulailler, ouais c'est le poulailler les gars, je pense on peut le voir ici que c'est des poulaillers, c'est un petit poulailler qui est assez stylé, qui est assez bien fait. J'ai jamais vu ça sur Farming encore, ce petit poulailler il est assez bien fait, et franchement GG à toi. Ensuite là c'est un chemin, là les gars c'est les vaches juste ici, si je me trompe pas c'est les vaches, les vaches juste là avec une hyper belle stabule les gars, et franchement il y a une très grande prairie, ce qui est assez cool dans l'ensemble les gars, franchement une très grande prairie c'est assez cool. Et du coup voilà, les gars, une sabu aussi pour les vaches qui est hyper bien faite, c'est vraiment une rare celle-là je pense, parce que franchement elle est hyper belle, j'en ai jamais vu une comme ça presque. Elle est assez belle, les auges aussi les gars, ils ont vraiment les cosnets, c'est ça? Ouais c'est les cosnets, et du coup ils sont hyper bien faits les gars, et ça franchement qui donne un peu un charme à la map, parce que c'est vraiment une tabu française pour moi. Et du coup voilà, ah d'accord, ici les gars c'est le lisier avec les petites barrières et tout, genre c'est pas on saute dedans par exemple, un truc comme ça, ah trop tard. Donc les gars, attendez, on peut sortir ou pas? Bon, attendez. Voilà, on va revenir tranquillou à la ferme. Ouais les gars, petite stabu juste là qui est assez belle française, une petite stabu française. On peut dire qu'il y a un petit robot. Ok, on va voir ça. Un petit robot de traite juste ici les gars, et on peut voir derrière il y a le lisier les gars. Le lisier qui est juste là, qui est assez bien fait je trouve, avec une petite barrière et tout, c'est assez stylé. Et du coup voilà, bon ce qui m'inquiète moi c'est où qu'on met le curage, où qu'on met le curage du coup des vaches. C'est ça qui... C'est pas là-bas, c'est là-bas c'est les cochons. Ah ici! Ici les gars, non, ici les gars, si je me trompe pas c'est le curage des vaches. Ou alors c'est encore un silo mais je pense pas. C'est peut-être le curage, je sais pas, je suis pas sûr. Du coup voilà, soit curage les gars, soit silo pour l'ensilage. Ok les gars. Ensuite les gars, le bâtiment là-bas, je vous ai pas fait voir. Ici par contre les gars, il s'allume grâce aux lumières. Donc on appuie là. Et sinon si on n'allume pas là, voilà, la nuit il s'allume pas, ok. Donc voilà. Du coup les gars, ici on est avec. Ouais c'est quoi là? Oh, j'ai pas vu non plus. C'est des moutons les gars ici. Dites-moi les gars si je me trompe en commentaire, et si vous connaissez le créateur, pourquoi pas lui faire voir cette vidéo les gars, ça lui fera plaisir les gars. Et du coup voilà, si ça peut faire plaisir aux gens, pourquoi pas. Donc les amis, ici c'est les moutons si je me trompe pas les gars, les moutons juste qu'ils ont juste là, j'ai pas vu ça. C'est les moutons qui sont juste là, donc c'est assez beau les gars, les tabus c'est des petites. Mais regardez-moi ça comme c'est assez beau, du design, du bois assez neuf on peut dire. Et franchement c'est assez bien fait je trouve. Du coup attendez, là on peut sortir là-bas, ouais, et là il y a une prairie normalement pour les moutons. La prairie n'est pas assez grande mais elle est hyper belle franchement. Ça c'est bien fait les gars, donc si vous voulez une petite série dessus, je vais peut-être en faire une dessus. Il faut que je réfléchisse, j'ai plusieurs projets les gars, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez une idée de série, pourquoi pas me dire en commentaire. Ah les gars, les petits canards qui sont juste... Ah avec leur bébé. Oh ça c'est hyper bien fait les gars. C'est hyper bien fait les gars. Ensuite, hyper bien fait. Ici j'ai pris la petite miniature, normalement je sais pas si on verra cette miniature, j'ai pris toute miniature, donc voilà. Cette 4 les gars que je parlais en début de vidéo sera en description les gars, sur mon site pardon les gars, donc n'hésitez pas à aller voir mon site pour acheter cette nouvelle 4L qui est assez belle, qui a un très bel lycée aussi. Merde, putain. Allez, voilà. Il y a un très bel lycée les gars, assez complet je trouve, et du coup, voilà.
On peut essayer d'ouvrir les portes derrière, donc voilà, pourquoi pas si vous voulez installer les gars, ça ressemble à mon site. Ici les gars, du fumier qui est faux bien sûr, c'est vraiment une texture qui est plaçable. Bah qui est plaçable, on peut pas le prendre le fumier. Donc voilà, ça c'est dommage mais c'est pas grave. Ensuite les gars, du coup voilà, les moutons qui sont juste là, la ferme, en fait tout est relié les gars, la ferme c'est vraiment une grande ferme avec les moutons, les cochons et les vaches. Ce qui est assez beau je trouve, et du coup voilà. Ensuite les gars, on a ici trois petits bâtiments qu'on peut dire aussi qui relient à la ferme des vaches. On peut dire que c'est peut-être ici le coin céréalier, donc le coin matériel, avec trois bâtiments. Ce bâtiment là qui est assez beau, je trouve qu'il y a un très beau design. Donc on peut le retrouver sur la campagne Xemalchen les gars, de Xelma. Donc voilà, c'est Xelma, tu passes à toi, grosse dédicace à toi. On peut le voir aussi là, et puis des anciens bâtiments qui sont assez beaux. Tout simplement les gars. Ici les gars, on arrive ici, franchement on peut le voir. On a deux petites vaches ici. C'est l'abattoir les gars, où que là on peut voir le menu des animaux. C'est là qu'on achète les animaux. Donc ici il n'y a que les vaches, les moutons et les cochons. Et que je peux voir qu'il y a vraiment sur d'autres maps, genre Offberman V5 si je ne me trompe pas, qu'on a fait une vidéo sur un live et sur Exterview. On peut voir que les chèvres sont arrivées sur cette map les gars, qui est assez beau. Il y a les chiens et les chèvres. Et il y a Damien, donc LBDT du coup, qui est en train de mettre aussi les chèvres sur sa map, le petit limousin, qui est aussi sur mon site les gars. Donc si les personnes veulent aller voir, n'hésitez pas. Il est en train de voir ça, il m'avait dit. Du coup, c'est assez bien fait, je trouve. Et du coup, voilà, les chefs sur une map, les sur farming, c'est assez beau. Et du coup, voilà, ça s'est bien fait. Donc, gros, j'avoue. Et du coup, ici, on appuie pour le menu des animaux. Simplement, on arrive ici. Ensuite les gars, je vais vraiment faire les points les plus importants. Ici du coup le menu d'abattoir. Et là vous pouvez voir les gars, il y a vraiment des petits points bleus. On peut voir que c'est les rivières donc. Et pourquoi pas on pourrait prendre l'eau ici. Je me suis dit peut-être qu'on pourrait prendre les points d'eau ici hein. Faudrait peut-être essayer. On essaiera une vidéo si vous voulez les gars, dites moi si vous voulez une vidéo. C'est là, j'aurais peut-être une cette semaine, je verrai. Mais du coup voilà, ici on peut directement prendre l'eau je pense. Il y a plusieurs points bleus donc c'est la rivière. Et je pense que c'est les points d'eau. Alors les gars, ici, là-bas, on a un petit total qui est juste ici, qui est assez bien fait, je trouve aussi, les gars, un petit total qui est assez bien fait. Je sais pas si on peut prendre l'essence, je pense qu'on peut la prendre, mais bon, je sais pas, donc je vais pas dire de conneries. Ce serait bien qu'on peut la prendre, c'est bon qu'on puisse la prendre, les gars, donc voilà. Vous arrivez en tracteur, vous avez plus d'essence, vous passez là, paf paf, c'est assez bien fait, je trouve. Et du coup, voilà. Saint James, ça c'est quoi? Saint James, c'est quoi? Ah, peut-être là. Non, pas voir. Ok les gars, donc Saint James, franchement c'est une déco, mais vu qu'un petit truc là, je pense pas que c'est une déco. Donc je sais pas du tout. Donc voilà, c'est une petite un petit bâtiment qui est assez stylé. Ici les gars, la série les gars, donc le bois qui est ici. Je pense pas que c'est fonctionnel. Je pense pas les gars, franchement. Pourquoi? C'est une map qui est assez ancienne et je pense qu'à l'époque il n'y avait pas le bois. Maintenant on peut voir qu'il y a du bois qui est assez fou, des séries qui sont fonctionnelles les gars. Et là vu que la map date d'à peu près un an. Un peu plus d'un an, je me dis je pense que c'est pas fonctionnel, on n'entend pas de personnes qui travaillent, on n'entend pas de bruit ni rien. Donc peut-être qu'ici on pourrait peut-être vider nos copeaux. Non on peut même pas. Donc je pense que c'est pas fonctionnel. Donc dites-moi les gars si vous connaissez cette map. Et du coup voilà, c'est un abonné qui m'a dit en live l'autre fois de présenter cette map. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai pu la regarder. Et bah regarder pendant 5-10 minutes et je me suis dit bon on va la présenter qu'elle est hyper belle. Et c'est une map française, donc des maps françaises il n'y en a pas tout le temps les gars. Donc voilà, ici il y en a mais bon voilà pas tout le temps. Du coup voilà, la série qui est juste là les gars. Les petits coins qui sont là, les petits panneaux stop. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se diriger directement en face à Denton Barker, Bakery, pardon. Là, du coup, il y a plusieurs petites maisons qui sont assez stylées, les gars. Même là-bas, à côté de la femme, il y a des maisons qui sont assez stylées. Il y a des chemins qui sont assez beaux. Et du coup, les gars, j'avais jamais vu cette coopérative Point Vert le Jardin. C'est un peu une coopérative, on peut dire ça, non, les gars. Vu qu'il y a un petit truc là, un petit logo là, de vente, on peut dire que les gars, ici, c'est la vente peut-être de paille. Ou pas, mais je me dis que le silo est assez petit, les gars. Donc c'est assez con je trouve, mais le silo est assez petit. Donc je sais pas pourquoi. Mais dites-moi en commentaire les gars si vous savez un peu. Peut-être que moi je sais pas trop. Et du coup voilà, ici les gars on a un petit détail qui est assez bien fait. C'est qu'il y a les souffleurs, les compresseurs, les tondeuses, les échelles, etc. Même le barbecue. Merde. What? J'ai un petit bug, excusez-moi les gars. Il y a le petit barbecue aussi qui est assez bien fait les gars. Le petit barbecue juste ici, il y a beaucoup de détails les gars. Et franchement c'est assez bien fait. Le petit bureau aussi, le petit bureau qui est juste là. Et derrière. Ah bah oui mais attendez, il y a des bottes de paille. Ça veut tout dire. Je pense qu'ici les gars c'est ici qu'on vend la paille. C'est vente de paille ici, je pense les gars. Ok. Et ensuite les gars, j'ai vu qu'il y avait une vraie coop. Donc voilà la vraie coopérative qui est là-haut. Et après je pense que les gars on aura terminé pour cette vidéo. Là ici les gars, il y a ici normalement si je me trompe. Non j'ai rien dit. Là il y a une forêt les gars qui est assez belle avec les petits ravins, les petits marais les gars, normal ça s'appelle les marais normands. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rivières cette map les gars, mais franchement une map qui est hyper belle, hyper bien détaillée, surtout la forêt qui est hyper bien faite je trouve. J'aime bien les forêts comme ça, le sol surtout, on dirait le sol qui donne un peu le charme, j'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment bien implanté. Et du coup voilà.
Voilà, du coup les gars, Denton Bakary, du coup ça c'est leur statue récente française, hein, reconnaît tous les gars, on la voit tous franchement en ce moment sur une map les gars, sur des maps, franchement on la voit au moins une fois les gars, c'est assez stylé. Du coup là pour les personnes qui connaissent pas, vous arrivez, plop, vous mettez là, vous pesez, et là après, non, vous pesez et là vous rentrez dedans pour vider tout simplement. Après ne pas avoir de trop grosses bennes pour vider là-dedans, tout simplement les gars. Du coup les gars, je pense avoir fait le tour du coup les gars de tout ça. J'espère que cette petite vidéo les gars vous aura plu du coup les gars. Beaucoup de marais, beaucoup de rivières, beaucoup de routes. Petit pont juste là les gars qui est assez stylé. Et le concessionnaire qui est juste là, j'ai pas fait voir le concessionnaire les gars. Le concessionnaire qui est juste là les gars qui est assez bien fait je trouve aussi. C'est quoi là? Ah c'est le bureau les gars, d'accord ok. Là, ah oui d'accord on peut... On arrive là et là on rentre là et on peut acheter des tracteurs et tout, d'accord. Donc voilà les gars, petit poste de parking et tout. J'espère que les gars cette petite vidéo vous aura plu les gars. Petit village qui est assez bien fait les gars, petite église et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les gars. Franchement bravo à toi au mappeur, je sais, bravo au mappeur GFRI, donc je pense que c'est toi. Donc voilà, grosse dédicace à toi si tu passes par là. Et puis franchement bravo pour ta map franchement. Et ça serait bien que tu fasses une V2 pourquoi pas. Et du coup voilà, franchement les gars, tout est sur mon site. N'hésitez pas à aller voir les gars, merci pour les 7000 abonnés les gars. La chaîne de Dati est en commentaire et en description partout les gars sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça fait plaisir, c'était Zero. Et je vous dis à la prochaine les gars, ciao tout le monde. Je veux tout faire comme dans le monde de Disney. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. Avoir la belle vie comme Sacha Distel. Je sens que mes souvenirs se disent.